Chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous sommes toujours à l'unité 5, un cadeau. On aura comme objectif parler de la météo, identifier les verbes à la première et deuxième personne du pluriel au présent nous et vous, réviser les adverbes de fréquence. Que pensez-vous de réviser les quatre saisons ensemble? L'hiver. L'hiver. En hiver, il y a la neige. Il neige en hiver. Le printemps. Le printemps. Au printemps, on trouve des fleurs partout. L'été. L'été. En été, il y a un grand soleil. L'automne. L'automne. En automne, les feuilles tombent des arbres. Nous voilà devant un petit rappel des pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle. Il avec S, elle avec S. Nous, nous. Vous, vous. Lisons les phrases suivantes et trouvons le verbe à l'infinitif. Nous sommes en classe. Vous êtes en classe. Nous avons un devoir. Vous avez un devoir. Nous allons au supermarché. Vous allez au supermarché. Nous faisons un gâteau. Vous faites un gâteau. Nous visitons le musée. Vous visitez le musée. Nous comprenons la leçon. Vous comprenez la leçon. Je vous invite à ouvrir le cahier d'activité à la page 27. Lisons l'exercice numéro 3. Les verbes à la première et à la deuxième personne du pluriel. Mets les phrases au pluriel. Je suis anglais. Nous sommes anglais. Bravo. Tu as un rat. Vous avez un rat. Tu prends un livre. Vous prenez un livre. Je peux aider Max. Nous pouvons aider Max. Tu vas chez Mère Graham. Vous allez chez Mère Graham. Je fais des courses. Nous faisons des courses. Passons à l'exercice 4. Les verbes à toutes les personnes. Complète avec les verbes entre parenthèses. Tu écoutes de la musique. Il comprend l'anglais. Nous allons au musée des super-héros. Vous faites une sortie avec votre classe. Ils écoutent le professeur. Je prends des photos du musée. Nous travaillons maintenant les adverbes de fréquence. Ouvrez votre cahier d'activité à la page 28. Tu connais les mots. Observe le tableau 1, puis complète le tableau 2. Avec, jamais, parfois ou souvent. Lisons ensemble. Mois de mars, musée, cinéma, piscine, zoo, bibliothèque. Alice, Quentin. Pour Alice, on a 0, musée, cinéma 8, piscine 8, zoo 1 et bibliothèque 2. Alors que pour Quentin, on a musée 1, cinéma 8, piscine 2, zoo 0, bibliothèque 0 aussi. Pour le zéro, je dis que Alice ne va jamais au musée. Quentin ne va jamais au zoo. Quentin ne va jamais à la bibliothèque. Pour un comme pour deux, c'est le parfois. Et je dis Quentin va parfois au musée. Alice va parfois au zoo. Alice
va parfois à la bibliothèque. Quentin va parfois à la piscine. Et pour le 8, on utilise souvent. Je dis, Alice va souvent au cinéma. Quentin va souvent au cinéma. Alice va souvent à la piscine. Numéro 8, la météo. Quel temps fait-il? Écris les phrases sous les bons dessins. Il neige, il pleut, il fait froid, il fait beau. Bravo, bien joué! Notre leçon pour cette semaine est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt!